Il nous reste 5 minutes pour revoir toute l'histoire de l'Amérique. Qui s'y colle? Élimination des indigènes qui peuplent le territoire, oppression des Noirs, bonnes actions pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant c'est le déclin de notre empire. Bah voilà, on a fini le programme. Personne n'enseigne l'histoire comme moi. C'est pour ça que je passe sur le code vestimentaire. Des mollets comme ça, il faut que tout le monde en profite, hein. Je crois que ma jambe est coincée. Expliquez-moi ces lettres. T'es foutu à la porte. Ces gamins, pratiquement tout le monde leur tourne le dos. Moi, je ne veux pas faire la même chose. Nous ne tournons pas le dos à ces gamins. Nous regardons en face nos bons élèves. En réalité, au fond de moi, je suis une petite fleur bleue. Vous imaginez pas la pression que c'est d'être un jeune noir. Tout le monde part du principe qu'on sait y faire avec les filles. Et Michael B. Jordan nous facilite carrément pas la tâche. Ouais, on a connu ça avec Antonio Banderas. Viva Iglesias ! Viva Iglesias ! Je n'ai aucune idée de ce que c'est que de grandir dans ce pays en tant que fils d'immigré latino. J'ai regardé Selena. Bling bling shine bright like a diamond, ok. Je bosse dur pour combler le fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres. Et vous, vous vous placez où? Je comble le fossé. Je ferai de cet établissement un lycée d'exception par tous les moyens. Je sais qui a dit ça. C'est l'activiste Malcolm X. Malcolm qui? Wakanda pour toujours. Monsieur Iglesias, il a sauvé la journée. On l'aime très fort, lui, son Bermuda.